Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on est à Pau au Brésil, dans l'état de Bahia. Et ici vous avez eh bien un avant-goût de la structure principale de l'éco-village. Donc ici c'est notre centre administratif, c'est là aussi on aura nos activités culturelles et rituelles. Et puis les maisons vont commencer à se positionner autour, voilà. Alors voilà l'éco-village qui n'existe pas, qui n'a jamais existé. Le restaurant qui n'existe pas, qui n'a jamais existé. Le temple qui n'existe pas. Qui n'a jamais existé, etc. Le galpon qui n'existe pas et qui n'a jamais existé. Et on pourrait aussi parler du Raymond, bon père de famille et homme honnête et personne qui n'a jamais tué personne. Et on voit que ça marche pas et que ça n'a jamais marché. La folle sagesse, c'est une voie du bouddhisme qui est un peu périlleuse parce que ou vous respectez les conditions de la voie de la folle sagesse, c'est-à-dire que bien vous dites la vérité, vous êtes honnête et vous protégez la vie. Et la voie de la folle sagesse va vous mener à l'éveil spirituel, la réalisation et la libération du cycle des existences. Et puis, si vous prenez les lamas de la folle sagesse pour des cons, eh bien, vous vous retrouverez ou en prison ou à l'hôpital psychiatrique. C'est un petit peu le cas, je pense, des personnes qui pensent que les enfants du bon Dieu sont des canards sauvages. Voilà. Ouais.